Mais tiens, le mieux, il y en a partout qui coulent à côté. Mais je sais pas, moi. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je vise et voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, il faut attendre 3 minutes. Fais. L'aventure bébé se vit à deux, mais pas toujours à ce point. La plupart du temps, on est seul aux toilettes et il nous revient ensuite d'annoncer la super nouvelle à notre chéri. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver des façons originales de lui dire ou de lui faire comprendre. Tiens mon petit chéri, on va se faire plaisir ce soir, regarde. Bah, regarde, trop bien. Yeah, yeah, yeah. Mais attends, c'est quoi ça? Non mais regarde, il y a une étiquette qui est posée par-dessus. Mais c'est pas du vrai. C'est des espèces de jus de pomme pétillant là. Oh là là, hey, je te jure, je vais appeler 60 millions de consommateurs, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre, mais alors quelque chose tu as. Une cata. J'ai dû mettre sous le nez là, c'est... y a plus que ça à faire. Sans mon pipi. Ah. Comment ça va? Ouais. Super ta coupe de cheveux, super. Non. C'est pas ça là, c'est... J'ai faim. Ben, mange. Non mais regarde. Moi aussi. Oh mais tu communiques avec tes intestins. Oh bah dis donc, je te savais perché, mais à ce point... Moi aussi. Non mais il en tient une couche le gars. Le second degré et les hommes. Bon, et ben on va être plus explicite. 1, 2 et 3. Chérie, oh. Arrête de porter des vêtements de femme enceinte. Tu te fais du mal. Je sais que tu veux un enfant, mais c'est pas comme ça que tu vas l'accueillir dans les meilleures conditions en étant tout stressé. Peut-être qu'il faut qu'il soit acteur de sa surprise. Ok. Ouais. Regarde ce que je t'ai pris. Un petit jeu à gratter. Vas-y. Trop cool. Oh. 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 On a gagné. On a gagné. Ouais. Chérie. Ah, c'est regarde génial. Regarde ce qu'on a gagné. Regarde. Regarde, il faut gratter le petit ballon là. Hein? Qu'est-ce que t'as gagné? Tu veux dire des nuits blanches, des couches pleines de caca, des biberons à gogo et des cris plein les oreilles? J'ai tout cœur avec toi, mon courage. Ah bah j'espère bien, tiens. Ah, ces hommes, ils sont souvent bien moins démonstratifs que nous, mais au fond, ils sont tout aussi heureux, à leur manière. Mais tu m'as fait peur, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah et toi, t'as caché un truc derrière ton dos, j'ai vu. Montre-moi. Non, non, non. Montre-moi tout de suite. Hey. Allez, non, t'as pas le droit de me faire ça. Eh, hey, c'est quoi ça? Mais c'est notre test de grossesse. Bah oui. T'es enceinte. Non, mais je voulais vérifier par moi-même cette deuxième barre. Ah ouais, tu t'as cru que j'avais marqué au fer rouge le test pour faire croire que je suis enceinte, quoi. Bah, je crois que ce que je vois, voilà. Oh, mais trop chou. Je suis étonnée quand même. Ça va, t'as pas l'air bien ce soir là? Si. Bah non, tu fais la moue depuis tout à l'heure, t'as un souci au travail? Non. Tu t'es embrouillé avec un pote? Non. Tu peux m'en parler, hein, tu sais. Est-ce que t'aurais perdu à ton match de basket hier? Non. Non? Tu crois qu'on peut se fier à cette deuxième ligne du test de grossesse? T'as pas peur qu'on soit déçu demain à la prise de sang? J'ignorais totalement que ça le travaillait autant. Ça me touche vraiment. Ils expriment juste leurs doutes et leurs craintes différemment de nous les femmes. Le désir d'enfant, nous, on l'a dans nos tripes. Pas eux. Et c'est normal. Hey. Regarde. Moi aussi j'ai mon t-shirt. Ah oui. Elle mange pour deux. Je bois pour trois. Sacré toi.